Bhagavate vasudevaya Om namo vasudevaya Om namo Bhagavate vasudevaya Om namo Bhagavate vasudevaya Om namo Bhagavate vasudevaya Bienvenue à Radakri Paruan, dans ce jour de très bon augure de la disparition de Shila Nalotam Dastakur. Donc, verset 30. Sass, hmm, attendez un instant. Ok. Sam -sam mahiyasam. Brahma mar shirajar shide varshi sanghai Bra mar shirajar shide varshi sanghai Via rocca da lampaga vagnia tendur Via rocca da nikarai parita nikarai Traduction Shukadev le plus précieux joyau, parmi les plus grands dévots du Seigneur, était entouré par des sages, des brahmanas, des saints rois et des demi-dieux. Il brillait comme la lune parmi les planètes et les étoiles. Commentaire Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Shukadev s'assit sur le trône. Il était le plus grand parmi les sages qui l'entouraient, comme la lune est entourée par des planètes et des étoiles. Il y avait dans cette assemblée des brahmanas saints comme vasista des rois saints comme Arish, Arishti Shena, et des saints parmi les demi-dieux comme Narada. Toute une assemblée. Omen <muches> Gyanati Mirandasya, Gyananjara Shara Kaya, Chakshurun Miritam Jaina, Tasmaishi Gurave Inamaha. श्रीचैतन्यमनोभीष्ट स्थाता चेन भूतले स्वयं रूपम धारति स्वदासीक हे कृष्ण करुणा सिंधौ दीनबंध जगात पते गोपेशा गोपिका कंधार राधा कंता सप्तकाञ्चनगौरङ्गी राधे बृन्दवनेश्वरी वृषावनुसुते देवी प्रणामामि हरिप्रियै वंशकापतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यहेवच पतितनां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जया श्रीकृष्ण चेतन्या Shri श्रियाद्वैता गिरहरा शिवासरि गौरभक्तवृन्दा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 Rama हरे Rama 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 हरे हरे नम हों विष्णुपरा कृष्ण पृष्ठा भूतरे श्रीमाते भक्तिविरा स्वामीनिनामे नमस्ते सरस्वाति दौरवाणी प्रचारिणे नून वे पश्चता Il y a 5000 ans, sur le bord du Gange, Shukadev Goswami, qui est assis sur le trône, avec toute cette assemblée des de, de plus grands sages de l'univers, des demi-dieux, non? Il y a Narada Muni qui est là aussi. Et donc Shukadev Goswami parle. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'être là? <laughs> sept jours et sept nuits, sans arrêt, à parler des gloires de Krishna. Alors, moi, j'aimerais vraiment être là. <laughs> ouais. Pour notre grande fortune, on peut être là à travers la lecture du Bhagavatam, mais ça devait être spécial, hein? Entendre parler directement de la bouche de Shukadev Goswami, parce que c'est expliqué que le Shukadev Goswami, il est comme un perroquet. En fait, c'est entre nous, hein? C'est un perroquet, et ce n'est pas n'importe quel perroquet. C'est Shuka, le perroquet personnel de Srimati Radharani. Et donc c'est expliqué que comme il est un perroquet lorsqu'il c'est comme un perroquet lorsqu'il goûte de la pointe de son bec une mangue, la mangue devient plus sucrée. <laughs> Et donc lorsque Shukadev a goûté, non, le nectar du Srimad Bhagavatam, alors le Bhagavatam qui est sorti de sa bouche est devenu encore plus sucré. <laughs> c'est pourquoi c'est très spécial, c'est pourquoi aussi tous les sages de l'univers ont voulu entendre directement de la bouche de Shukadev Goswami les gloires de Krishna. Donc aujourd'hui, je dois vous avouer, je me sens extrêmement fortuné parce que je suis sur, sur le point de vous rencontrer une histoire qui est extrêmement douce et euh, qui est très à propos, comme nous sommes dans la maison de Nanda Maharaj et de Yashoda et aussi comme nous sommes aujourd'hui et tout ce mois dans le mois de Kartik, le Damodar Lila, non, le Damodar Mas, non, le mois de Damodar. Aujourd'hui, J'aimerais vous partager l'histoire du plus grand voleur de l'humanité. <laughs> Il s'appelle... Est-ce que vous connaissez son nom Chor. <laughs> makan, le makan, le verre, et Chor. Kirchor, non, ah non, Kirchor, c'est... Ils volent toutes sortes de choses, Krishna. <laughs> kir, ils veulent le Kir aussi, non ils volent le beurre et ils volent les vêtements des Gopis. Donc, ils volent plein de choses. Et ils volent aussi le cœur de ses dévots. Donc, Krishna, c'est vraiment, naturellement, le plus grand voleur de toute l'histoire de l'humanité. Et il était une fois Yashodamai qui était paisiblement installée en train de, de barater le beurre. Mais ce n'était pas un beurre ordinaire. Pourquoi elle voulait préparer le meilleur makhan au monde? C'est parce que elle ne comprenait pas pourquoi Krishna, tandis qu'elle avait les meilleures vaches à non, les, dont une vache préférée de Krishna, elle ne comprenait pas pourquoi Krishna, il voulait quand même aller chercher du beurre dans les maisons des autres gopis. est Parce que vous savez que lorsqu'il est le Brahma Murta pour nous, l'heure du Brahma Murta, on chante de notre japa, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que Krishna fait dans l'heure du Brahma Murta, une heure trente avant le lever du soleil Krishna, avec, accompagné de, de ses acolytes Balaram, Shridamsaka, saka et mangal <laughs> sans parler d'Adiloba, non, le meilleur pote singe de Krishna, le meilleur ami de singe de Krishna, ils se réunissent euh, très tôt le matin pour euh, voir quelles maisons ils n'ont pas encore volées, et donc ils ont toute une carte, un plan, et donc ils regardent les maisons et les maisons qui n'ont pas de X, ça veut dire que c'est la prochaine qu'ils vont voler. Et donc, ils font un X en rouge <laughs> pour euh, s'assurer de voler cette maison par la suite. Et donc, Marya Shoda, elle sait que Krishna, c'est le plus grand de tous les voleurs. Et donc, elle se dit, mais pourquoi? Pourquoi mon canard, tandis que j'ai le meilleur beurre au monde, pourquoi il veut aller chercher du beurre dans les autres maisons? Mais Marya Shoda, elle ne comprenait pas. Et c'est pourquoi elle avait fait paître la vache préférée de Krishna dans euh, une section très spéciale de Govardhan dans une forêt où l'herbe, elle est très sucrée. Et donc, elle avait, elle avait euh, fait paître une vache, la vache préférée de Krishna dans cet endroit. Et donc, elle avait récolté le lait. Est-ce que vous savez quel parfum avait ce lait? Il avait le parfum du lotus rouge. <laughs> Waouh. <laughs> Donc c'était un lac qui était vraiment spécial, et c'était comme c'était la vache préférée de Krishna. On sait que les vaches elles sont dans, elles ont un amour maternel pour Krishna et cette vache elle a beaucoup d'amour pour Krishna. Et donc Mary Ashoda elle était profondément absorbée à barater le beurre par amour pour son fils et en plus elle voulait lui faire une prendre spéciale ce genre-là. Donc elle était assise paisiblement. En fait c'est expliqué que c'est un kirtan qu'elle faisait. Lorsqu'elle barattait, non? Lorsqu'elle barattait avec les cordes, le son du barattage était comme un tambour. Et le son de ses, euh, de ses bracelets de, 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 de poignets était comme des cartals. Et elle, en même temps, en plus, elle récitait les gloires de son fils, non? Lorsqu'elle barattait. Donc c'était comme un kirtan. Donc imaginez-vous un instant le kirtan de Mary Ashoda. Ça c'est son kirtan <laughs> qu'elle fait à tous les matins lorsqu'elle baratte le bar. Et donc elle était profondément absorbée. Par amour pour son fils, parce qu'elle avait vraiment envie de lui offrir le lait le plus spécial avec son plus grand amour. Et donc, pendant ce temps-là, il y avait Krishna, il y avait, il avait trois ans, trois ans et demi à ce moment-là. Donc, il était couché sur un lit juste à côté de Shoda. Mais, il s'était réveillé, mais il faisait semblant de continuer à dormir. Et donc, Shoda, naturellement, dans le, son sentiment de protéger son fils, elle se retournait de temps en temps pour voir si son fils était bien, et elle voyait qu'il dormait paisiblement. Elle retournait à sa tâche. <coughs> Et à un moment donné, Krishna, donc il a vu qu'elle était toujours en train, donc il s'est tourné, il a regardé sa mère, et quand il a vu sa mère lui préparer ce beurre, il a tellement été touché, en fait, il, il a senti qu'il aurait envie d'être là pour l'éternité, tellement il était touché de voir l'amour de Maria Ashoda lorsqu'elle barattait le beurre pour lui. Il serait resté l'éternité à la regarder comme ça. Pouf, wow. Et lorsqu'il a vu Marashoda, elle, elle était complètement absorbée, puis euh, il, il voyait qu'elle ne le voyait pas du tout. Non? Elle était juste complètement absorbée en, en, en interne dans sa méditation sur son, son cher fils adoré. Et donc, Krishna, il a vu ça, puis il voyait en fait la perspiration, non Il voyait aussi, les, parce que de, de, de l'effort de barater le beurre, les. Ah, excusez-moi, la perspiration en anglais. On traduit en français la. C'est quoi <laughs> la transpiration <laughs> et donc elle, est, elle était en train de transpirer dû à, à son dur labeur et a, elle avait des fleurs malatées sur ses tresses de cheveux et à cause de qu'elle brassait comme ça, les fleurs tombaient en fait sur elle, non? comme une pluie donc Krishna il voyait ça et fait waouh. mais il voyait qu'il disait mais comment ça se fait qu'elle a autant d'amour pour moi et ça l'a vraiment touché donc il, il est descendu avec ses petites mains potelées oh descendu de, de son lit et euh, il s'est il est, il rapproché de Maria Shoda, il est grimpé sur ses genoux, et il dit Mata, Mata, Mata. Maria Shoda, toujours complètement absorbée, a baratté le beurre bar pour son fils. Et a Mata, Mata. Toujours en train. Donc il, il prend son sari, non, il tire après son sari Mata Et là, Maria Shoda Quoi Kana, Kana ». Parce que, elle était, comme elle était absorbée en méditation interne, elle pensait qu'elle était toujours avec Krishna. Donc, c'est pourquoi elle était dans son absorption sur son fils. Elle, elle calculait pas qu'il était en train de bouger, quoi, parce qu'elle était complètement avec lui dans son cœur. Et donc, elle s'est dit Bon, il est avec moi, mais OK, il est où puis Là, elle, se, elle, elle ouvre ses yeux puis elle voit Krishna qui est là, dans son cher fils adoré. Donc, elle le prend comme ça et elle voit qu'il veut la têter, donc elle lui donne son sein. Et pendant qu'elle lui donne son sein, elle regarde son doux visage merveilleux, non? Imaginez-vous Krishna avec ses petites euh, boucles de cheveux, non? Euh, étincelante, avec euh, son doux visage tout mignon, avec ses, euh, ses lèvres pareilles aux lotus, qui est en train de prendre la tétée de sa mère. Et donc, Mère Chauda, elle regardait le visage de son fils, complètement en, en amour avec lui, complètement émerveillée de sa beauté. Elle était juste à le regarder, elle aussi, juste. Elle aimerait être pour l'éternité dans ce moment, juste à donner le, son sein à son fils et lui partager son amour. Non, dans cet échange d'amour. Et donc, à un moment donné, il se passe quelque chose. Parce que j'avais oublié de dire, faut comprendre que quand Marya Shodha s'occupe de son fils, elle n'est pas toute seule. Elle a plein de serviteurs, de servantes et de serviteurs aussi. Comme Paktraka, Raktraka, qui font le bain de Krishna tous les jours. Donc, ils sont très chers au cœur de Marya Shodha parce qu'ils s'occupent de son fils. Non. Mais ce matin-là, Maria Shoda, elle était accompagnée de seulement une servante parce que c'est un moment spécial pour elle. C'est quand même la mère de Krishna, non? Elle avait envie d'être seule avec son fils. Puis elle, elle voulait être seule aussi à, à lui offrir ce, ce lait spécial. Donc il y avait une servante qui était là et qui avait préparé un lait, le lait qu'on qu vous avait expliqué à la, au parfum de, du lotus rouge. Et donc, le lait était en train de bouillir et quelque chose que j'ai oublié, c'est vrai, pardonnez-moi, pardonne-moi pardonne le lait de, <laughs> de lotus rouge. Donc, le lait, naturellement, lorsqu'il a vu, il était en train de bouillir et la servante était, était partie plus loin parce qu'elle voyait qu'il y avait un moment intime entre Maria Shoda et son fils. Et donc, elle est partie s'affairer à d'autres tâches. Donc, lorsque le lait, il a vu Krishna qui buvait le lait du, directement du sein de sa mère, il a été quelque peu jaloux. Donc, il a dit À quoi sert ma vie si je ne peux pas être goûté directement par les lèvres pareilles aux lotus de Krishna Et donc, il a dit Ma vie ne vaut plus rien. <laughs> donc, il a, il a fait une tentative de suicide et donc, pff, le lait a commencé à sortir. Non, du... Et donc, a dit Oh non, qu'est-ce qui se passe Donc, elle a laissé Krishna là et elle est directement allée voir le lait. Il faut comprendre que. Parce que Maria Shoda a fait ça, puis lorsqu'elle était complètement absorbée à barater le lait, c'est pas que elle était moins attentive à son, attentive à son fils. Au contraire, c'est parce que marie Yashoda elle a tellement d'amour pour son cher Cana qu'elle voulait lui offrir le lait le plus spécial. C'est ça, Vrage, c'est que tout le monde veut servir leur, leur cher Cana, non? Et donc, Marie-Achauda, elle était dans ce sentiment aussi. Et donc, aussi pour qu'il se passe un divertissement très spécial, donc, par l'arrangement de la Yoga Maya, elle est allée tout de suite, elle a laissé Krishna et elle est allée s'occuper du lait. Non Par miséricorde pour le lait aussi. Et donc, Krishna, quand elle a été laissée comme ça par sa mère, mais il ne comprenait pas, mais il dit elle me donnait la tétée, comment se fait-il qu'elle me laisse comme ça Et donc là, il est devenu en colère. Il s'est dit Hum, je vais faire quelque chose. Et donc, pendant que Mère Yashoda, elle était en train de s'occuper du lait qui avait débordé, Krishna, petit Kana, il a pris un objet pointu et il, était, il a. Premièrement, il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, il a regardé. Naturellement, il a vu le pot de beurre que Mère Yashoda était en train de préparer. Donc, il s'est dit, ah, il a eu une idée de génie. Il s'est dit, pourquoi est-ce que je ne briserais pas le pot de beurre qu'elle était en train de faire? Donc, il a pris un objet pointu et il a commencé à frapper sur un bord du, du pot de beurre. À un moment donné, le pot de beurre s'est fracassé en deux et le lait qui n'était qui pas encore, qui était toujours liquide parce que Mariachada n'avait pas terminé de, de pleinement le préparer, a commencé à s'écouler sur le sol. Et donc, il y avait une grosse flaque sur le sol de lait. Et donc, Krishna, quand il a vu ça, mm. <laughs> c'est quand même Makanchor, donc il doit tenir sa réputation. <laughs> donc, il n'a pas pu résister. Donc, il est aussi. Il trouvait ça spécial, justement, d'aller prendre le beurre qu'elle avait fait et aussi comme une, comme une leçon, non, pour elle qu'il avait abandonné. Donc, il a commencé à prendre le macan et à, 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 à l'honorer, non, comme ça. Mmh. Donc, il adorait prendre le macan. Et Mère Yachoda était toujours en train de, de s'occuper du lait et donc ça, ça prenait son temps. Il faut comprendre que. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'elle s'occupe du lait parce que vous allez voir que Krishna a eu le temps de faire beaucoup de choses pendant qu'elle s'occupait de nettoyer toute la cuisine. <laughs> sa servante était partie et tout. Mais ça, c'était l'arrangement de la Yoga Maya pour que Krishna puisse accomplir ce Dhammodar Lila avec sa chère euh, Mata. Et donc, Krishna, <coughs> il, est, euh, il était encore plus en colère parce qu'il voyait que sa mère, elle ne venait, venait pas s'occuper de lui quand même. Et donc, il s'est mordu les lèvres. Et il s'est dit Qu'est-ce que je peux faire maintenant et donc, il a décidé d'aller dans le, le, la salle de storage où Mère Yashoda, elle garde les pots de beurre qui sont déjà terminés, quoi. Et donc, il a organisé un plan, parce qu'il faut comprendre que Mère Yashoda, elle a sa chambre, et à côté de sa chambre, il a, ben, de, de, de l'intérieur de sa chambre, il y a une porte par laquelle elle peut entrer dans la cuisine. non Et dans la cuisine, il y a une clé qui mène à l'entrée du storage qui est à côté de la cuisine. Et donc, Krishna... Pff, Naturellement, il, était, il avait du beurre partout, et il s'était ben il s'était roulé dans le beurre, quoi. <laughs> et donc, quand il marchait, chaque pas, il y avait des traces de beurre, non? Et donc, il est rentré dans la cuisine, hmm, par hasard, je ne sais pas comment, mais il a trouvé la clé. <laughs> il a pris la clé et il a ouvert la porte, et il est entré dans le storage. Et donc, lorsqu'il est entré, il a vu un mortier qui était là. Donc, il a tassé le mortier, il a grimpé avec, imaginez-vous, avec ses petites mains potelées, non? parce qu'il avait juste trois ans, non? Donc, avec son tout doux petit corps, doux comme le beurre, il a monté sur le mortier, au-dessus. Et lorsqu'il était au-dessus du mortier, il était capable, parce que les, les pots de beurre, hein, comme on voit sur l'hôtel, ils sont accrochés par des cordes au plafond pour que justement Krishna et ses amis les singes ne puissent pas trop facilement, parce qu'ils réussissent toujours hein, <laughs> à accomplir leur mission, mais chercher les euh, trop facilement les pots de beurre. Donc il est monté sur le mortier, donc il a il a défait la corde, il a pris le pot de beurre, ouf, la main complètement dans le pot a commencé à manger le maquin Et je sais pas comment, j'ai pas réussi à trouver le détail, mais ses amis les singes sont venus aussi. Et donc il a commencé, il a commencé à manger. Ensuite il a partagé aux singes, il donnait des pots de beurre aux singes. Et là c'était le chaos total dans la dans le, dans le storage. Il y avait du beurre partout, des pots cassés. Et là à un moment donné, pouf, Krishna, son, son intelligence est revenue et il s'est dit Oh, un instant, oh! là, il y a du beurre partout, c'est le chaos total ici, mais qu'est-ce que ma mère va faire Et là, il a commencé à avoir peur ah! Ma mère va me punir si elle me voit faire ça. Ah! Et là, il a pris peur. Donc, il a descendu et il, il a essayé de trouver une sortie d'urgence. Et il s'est rappelé que de la chambre de. Bien, tout près de la cuisine, connectée avec, avec côté de la, mère, de la chambre de Maria Shoda, il a aussi une porte qui mène à un balcon. Qui, euh, et du balcon, il y a des, des, euh, des, des escaliers qui descendent jusqu'à la cour intérieure. Et donc, il a décidé de sortir par là. Et naturellement, il y avait du beurre partout. Hein, donc, à chaque pas, le beurre restait sur le sol. Donc, il est sorti et il s'est enfui par la porte de derrière. <laughs> et donc, comme on expliquait, hein, ça a été long. Maria par l'arrangement de la yoga maya, elle était complètement non affairée. Et donc, elle... Elle était affairée à nettoyer la cuisine, s'occuper du lait, tandis que Krishna, il était en train de faire son, son vol. Non? Et donc, à un moment donné, elle est revenue à ses esprits et s'est dit Oh, OK, ben attends. Elle est, elle est allée voir là où était Kana. Eh hey, hein, il n'est plus là. Et là, elle a vu la salle du crime. Donc, elle a vu un pot de beurre cassé. Elle a dit Mais qui a fait ça Parce que Maria Shoda, dans son sentiment maternel, elle ne euh, pense jamais que Krishna a fait quelque chose de mal, non c'est même expliqué que parfois, les, les, les gopis d'Euvrage, elles, elles, elles viennent à plusieurs, non? se plaindre auprès de Mère Ashoda des, des, des méfaits de Krishna. Et Mère Ashoda dit oh Non, ben non, mais non, c'est pas possible comment mon fils ait fait ça. <laughs> Et il faut comprendre que, oui, les mères elles naturellement, elles viennent se plaindre aux mères, auprès de Mère Ashoda, mais c'est toujours par amour pour Krishna, parce qu'à un moment donné, elles étaient venues à plusieurs. Voir Mère Yashoda et Mère Rohini pour faire une pétition et euh, demander si, si, si c'était bien possible pour Mère Yashoda et Rohini Davy de, de bien euh, partager leur enfant avec les mères d'ouvrage. Donc, elles, elles sont allées les voir et leur ont demandé est-ce que ça serait possible Donc, vous les avez à tous les jours, tout, tout, tous les jours de la semaine, tous les mois, à l'année longue, mais nous, on n'est jamais avec eux. On aimerait tellement pouvoir passer du temps avec eux ici s'occuper d'eux. Est-ce que est-ce qu'on pourrait faire un horaire par lequel, ben, un jour c'est moi, un jour c'est elle, et un jour c'est toi? Et Mary Ashoda et Rohini ont dit non, c'est mon enfant. <laughs> il, il est avec moi, non? C'est dans leur sentiment de, de possessivité envers Krishna, non? Non, il n'y a pas question. <laughs> et donc, c'est ça, le, Krishna s'est enfui, et Mary Ashoda s'est dit, mais, mais non, mais c'est pas possible, mais qui a fait ça? Donc, elle avait exclu complètement que c'était son fils qui avait fait ça, elle essayait de trouver le coupable, mais elle me dit, qui aurait pu faire ça? Mais j'étais tout seul avec Kana. Et là, elle regarde, le pot cassé, mais pourtant, mais Krishna n'aurait pas pu faire ça. J'étais en train, justement, de lui préparer le meilleur beurre, du meilleur lait, de la meilleure vache. Mais comment il aurait pu faire ça? Il avait juste à me demander. Et donc, elle a commencé à continuer à chercher la scène du crime. Et là, elle a vu les pots cassés, la flaque de beurre et, à côté, des traces de petits pieds. Comme son fils, elle se dit, wow, mais ça, c'est pas normal. Et donc, elle s'est dit, ça, ça doit être mon fils. <laughs> ça ne peut être nul autre que mon petit chéri, Kana. Et donc, elle a, elle a suivi les traces de pied qui menaient naturellement au storage. Et lorsqu'elle est entrée, qu'est-ce qu'elle a découvert Il y avait tous les singes qui étaient toujours là encore en train de se partager les pots de beurre. <laughs> Et la mère Achada, quand elle avait ça, oh! elle est devenue vraiment en colère. Elle dit, oh non, qu'est-ce qu'il a fait donc elle a pris un bâton et elle a dit, il faut que je lui fasse, donne une leçon. Il faut que je le punisse. Parce que là, il a fait un mauvais coup. Donc elle a pris son bâton et elle a, elle est sorti, elle a suivi les, les, les traces de pied et elle a vu qu'il menait à la cour extérieure. Elle a commencé à avoir peur, mais où est-ce qu'il est parti Où est-il allé comme ça Il est tout petit. Et donc elle a suivi les traces et donc un peu plus loin, <laughs> qu'est-ce qu'elle a vu elle a vu petit bébé Kana, non, trois ans, trois ans et demi, qui était en train de courir tout nu <laughs> dans la cour intérieure et qui s'enfuyait <laughs> pour euh, quitter la scène du crime. Et donc là, elle a vu Krishna, elle a commencé à courir après lui. C'est expliqué que Maria Shoda, elle a un peu plus de poids, non, un peu plus euh, euh, ronde. Et donc, malgré son poids, elle a commencé à courir après Kana. Et malgré le fait que les plus grands yogis de, de l'univers n'arrivent pas à attacher Krishna, non? Dans leur cœur. Et eh bien, Marie Ashoda, elle a quand même réussi à attraper Krishna. C'est un mystique, hein? Comment Krishna peut se faire euh, attraper? Mais par euh, son amour, elle a réussi à retrouver Kana et donc elle a étré... Elle l'a gardé comme ça. Et donc elle a pris, elle a regardé alentour parce qu'elle a voulu l'immobiliser. Donc elle a vu le mortier qui était pas loin et donc elle a vu une corde aussi. Donc elle a pris son, son enfant et elle l'a attaché avec une corde. Mais à chaque fois, donc elle a pris une corde, mais il manquait toujours deux pouces. Elle dit quand même, mais comment se fait-il Pourtant, elle était quand même longue. Donc, elle a demandé à d'autres servantes d'aller chercher d'autres cordes. Elle a rattaché une corde. manquait toujours deux pouces pour attacher un de la taille de son enfant. Pourtant, il était tout petit. Et donc, elle a demandé à toutes les gopies d'amener toutes les cordes du village. Elle a essayé toutes les cordes et il manquait toujours de, euh, deux pouces à la fin. Et à un moment donné, Krishna, il a vu sa mère qui était en, en sueur, justement, puis en, en dur labeur d'essayer, justement, par amour, non, de d'attacher son fils avec les cordes de son amour et Krishna à un moment donné il l'a accepté. Donc il a lâché prise. Par la force de l'amour de Yashoda Mai. Et donc il a laissé l'attacher. Donc elle a attaché son fils. Et donc elle s'est dit bon, je vais le je vais lui donner une leçon, je vais le laisser comme ça ici comme ça il pourra réfléchir sur son méfait. Donc elle est partie un peu plus loin. Et donc Krishna il était là. Pff, puis s'est dit bon, ben, je vais continuer ma journée. <laughs> Donc, c'est il était toujours attaché au mortier. Il, a, il rampait sur le sol comme ça, donc il a voulu explorer un peu le, les environs, mais il ne savait pas que n'était pas loin à le regarder. Donc, il a continué. Et à un moment donné, lorsqu'il a voulu continuer à ramper, le mortier s'est accroché euh, avec deux arbres Arjuna. Donc, il est passé entre deux arbres Arjuna, et donc le mortier n'a pas passé, il restait bloqué. Et donc Krishna, pour continuer, il a, il a poussé, il a poussé, et qu'est-ce qui s'est passé Les deux arbres Arjuna vont tomber sur le sol. Et ça fait un fracas pas possible. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu deux demi-dieux qui étaient rayonnants comme un soleil, qui sont sortis des arbres et qui sont allés faire leurs hommages non, à, à Kanna. Et donc ça, c'était les Manigreva et Narakuvara qui... Avait été maudit par Narada Muni. C'étaient les fils de Kouvera, non? Kouvera qui est le demi-dieu, qui est le trésorier des demi-dieux. Et donc, les deux fils, ils étaient dans, un, dans, dans le royaume de Kouvera. Ils, se, ils, se ils étaient nus dans une rivière sacrée. Non? Et ils se baignaient nus avec deux jeunes demoiselles. Et qui vient sur les lieux, Narada Muni qui arrive et qui voit les deux fils de Kouvera qui étaient tout nus comme ça. Mais dit Qu'est-ce que vous faites comme ça à vous baigner nus avec ces jeunes demoiselles dans cette rivière sacrée mais ne comprenez-vous pas que c'est impossible de faire de la sorte? Et donc, il leur a dit, mais comme vous n'avez pas respecté justement cette rivière sacrée, et vous êtes resté nu comme ça devant tout le monde, je vous maudis de prendre la forme d'arbre. Et donc, là, Nalakuvarah et Manikreva sont dit, oh non! Mais Narada comme il était un Vaishnav, et son cœur était en rempli de compassion et de miséricorde pour tous les êtres vivants, donc il s'est dit, OK, parce que. Un brahmana, c'est expliqué qu'une malédiction d'un brahmana doit toujours être accomplie. Non? Mais comme Narada Muni était un pur dévot du Seigneur, il leur a dit Ok, je vous maudis d'obtenir, de, de, de recevoir cette forme d'arbre comme punition, mais vous apparaîtrez dans le para-yuga, dans les divertissements de Krishna, dans la cour intérieure de son palais. Et vous serez délivré directement par Krishna lui-même. Et donc là, Nana Kuberan et Manigriva, ils se sont sentis ouf, apaisés du fait que malgré cette malédiction, ils allaient, ils allaient pouvoir être délivrés par Krishna en personne. Et donc ils ont expliqué l'histoire à Krishna, qui était aussi au courant non, de ce qui se passait. Et donc euh, Krishna leur a. Euh, et donc ils sont tournés, ils ont circumambulé. on dit, Comment Ils ont fait le circumambulé. Pardon. En tout cas, ils ont fait le. Ils ont fait trois fois le tour de Krishna et donc euh, ils ont offert leur, leur hommage à Krishna. Ils sont retournés en fait dans leur planète zédénique. et donc après ça, naturellement, avec le fracas, Maria Maya elle était complètement pétrifiée comme, une, comme un arbre comme ça lorsqu'elle a vu Krishna comme ça dans cette situation. Et donc Nanda Baba est arrivé il m'ont dit qu'est-ce qui se passe Et là, il a vu Krishna comme ça, non, avec le mort, attaché à un mortier avec les deux arbres qui sont tombés. Et donc, il va voir Cana, il dit « Ah, mais, mais vraiment soucieux, non? Euh, inquiet pour son fils? » Il dit ah, « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » Et donc, là, Cana, lui raconte l'histoire, non? « Qu'est-ce qui s'est passé avec ça? C'est Mama, c'est Mata qui m'a attaché. » Et donc, Nana Mapa, il dit « Quoi? » Il était complètement furieux. « Quoi? » Et donc, il a demandé à, à Balaram, qui était là, à d'autres amis aussi, qui lui ont bien dit que oui, c'était Mata qui avait accroché Krishna au mortier pour le punir, non? Et donc, c'est expliqué... Hein? Nanda Baba, il était vraiment furieux. Donc il dit, à partir de ce jour, c'est moi qui vais s'occuper de mon fils. Donc là, il y a tout un divertissement que j'aimerais partager à un autre moment, parce que je n'ai pas eu le temps de, de lire tous les détails, mais c'est vraiment très beau. Donc il y a toute une histoire où, en fait, euh, Nanda Baba, pendant quelques jours, il, il reste avec son fils, non? et il s'occupe de lui. Donc il dort avec lui, il passe toute la journée avec lui. Et euh, Mère Ashoda, justement, elle reste dans ses appartements, elle ne va pas euh, dans la cuisine, elle ne va pas servir son fils pendant plusieurs jours. Donc, il y a toute une histoire, mais je le partagerai à un autre moment pour euh, qu'on s'assure de partager tous les détails. Allez.